championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Informations et recrutement via email ou sur le site internet. Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiébault sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiébault Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 2 juin, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. Faire des enfants d'aujourd'hui les responsables de demain, tel est le slogan de l'École des champions, une association lancée il y a 22 ans. Et la première édition du Tattoo Show Vitry 51 a ouvert ses portes aujourd'hui à la salle du manège. Et voici pour les titres de ce vendredi. Faire des enfants d'aujourd'hui les responsables de demain, tel est le slogan de l'École des champions, une association lancée il y a 22 ans par Rénico et Jean Hugues. Chaque année, elle organise des rassemblements sous forme d'ateliers sportifs et éducatifs partout dans le Grand Est afin de transmettre des valeurs d'humanisme. Ce jeudi, 240 participants étaient réunis au parc Omnisport Fabien Gélony à Vitry-de-François pour tenter de devenir les petits champions. Un reportage signé Thiago Kergovic. À vos mains. Après Saint-Dizier au mois d'octobre, c'est au tour de Vitry-le-François d'élire ses nouveaux champions. 16 équipes d'enfants âgés de 8 à 12 ans s'affrontent sur 10 ateliers organisés. Les enfants vont devoir faire preuve du goût de l'effort, de la volonté, de vouloir réussir. Ça, c'est le premier test. Et le deuxième test, ça va être basé sur le comportement. Les enfants vont devoir être très sympathiques, aussi bien avec les responsables d'atelier que les autres enfants. Jean et sa femme ont imaginé ces rassemblements il y a 22 ans pour transmettre des valeurs d'humanisme aux nouvelles générations, conjuguées au goût de l'effort. Une idée qui plaît à la mairie de Vitry-le-François. On est toujours très heureux de les accueillir parce qu'ils défendent des valeurs que la ville aussi défend à travers leur association sportive où on allie la citoyenneté et le sport qui vont bien ensemble. Au programme de la journée, des ateliers dispensés autour de deux thématiques. Sportif d'une part, censé véhiculer des valeurs propres au sport comme ici, la maîtrise de soi avec un atelier boxe, et citoyenne d'autre part, avec un parcours pompier pour renforcer son courage ou encore un atelier tri sélectif pour stimuler sa générosité. On apprend à bien trier les déchets, à mettre dans les bonnes poubelles et puis aussi à respecter la nature, c'est-à-dire que sous forme d'image, j'ai mis des petits déchets sous forme d'image et le but c'est de dire qu'on a ramassé les déchets par terre et les mettre dans la poubelle au lieu de les laisser par terre. Pour décrocher le titre de champion, les enfants sont notés sur deux critères, sportif et civique, avec une note comprise entre 1 et 5. Objectif, montrer l'exemple et aider les autres. Moi, c'est d'arriver dans les deux premiers. Et comment tu comptes prendre ça ? Bah, expliquer tout aux autres et bien le faire, montrer l'exemple. À l'issue de la journée, 32 enfants élus finalistes, deux d'entre eux deviendront les petits champions de Vitry-le-François, mais avant, ils devront d'abord s'illustrer lors de la finale nationale, prévue le 22 octobre prochain. Et du sport, toujours plus de 2000 participants sont attendus pour le triathlon Open Lakes les 24 et 25 juin prochains au lac du Der. La campagne d'inscription se tient, elle, jusqu'au 16 juin. Je vous propose d'écouter la présidente de Champagne Triathlon qui nous en dit plus sur le programme, au micro de Toby Piron. Le samedi 24 juin, on aura deux courses longues pour les athlètes déjà initiés à la pratique du triathlon. On va avoir ce qu'on appelle un full, une épreuve maîtresse qui n'avait jamais lieu dans le Grand Est. Pour la première fois, on va avoir une course qui fait emprunter un parcours de natation de 4 km, un parcours de vélo de 180 km et ensuite les coureurs terminent par un marathon de 41 km. Donc autant vous dire que c'est pas à la portée de n'importe qui. Et le dimanche 25, on aura des épreuves qui sont plus orientées vers les familles, pour les gens qui veulent découvrir la pratique, et puis sur des épreuves beaucoup plus courtes, donc qui conviennent à un public élargi.
Et la première édition du Tattoo Show Vitry 51 a ouvert ses portes aujourd'hui dans la salle du manège à Vitry-François. Cette convention de tatoueurs accueille une quarantaine d'exposants jusqu'à dimanche. Quentin, l'organisateur, un enfant du pays, souhaite rassembler les gens autour d'une passion commune, le tatouage. Mais pas seulement. Regardez ce reportage, il est signé Antoine Regnault et Thiago Kergovic. Jessica effectue ses premiers piercings de l'après-midi. Cette conseillère à l'emploi, originaire de la Somme, a pris exceptionnellement son vendredi pour participer au Tattoo Show Vitry 51. Là, déjà, je dois être à ma 7e personne, depuis 14 ans. Ça démarre bien, je suis contente. Un bon début pour celle qui a été formée par Quentin. Cette ex-militaire de la base aérienne 113, au CV bien original, a décidé d'organiser son premier salon de tatouage, ici, à Vitry-le-François. Le but, c'est de promouvoir le milieu du tatouage, les artistes, faire bouger la ville et créer des événements, et puis créer du lien avec les gens qu'on rencontre. C'est purement humain, quoi. C'est le but d'une association, de toute façon. Au total, 43 exposants ont fait le déplacement. Ils viennent des quatre coins de France, mais pas que. Des tatoueurs belges sont aussi de la partie pour se faire connaître dans la région. Parce que finalement, c'est pas si loin que ça. Je fais un peu partout. Je vais à Damaris, je vais à Strasbourg, je vais un peu partout. Et ici, c'est à 2h30, donc je me dis pourquoi pas. C'est l'occasion qui fait que, voilà. Style viking, polynésien ou encore plus personnel, chacun apporte sa touche d'originalité à l'événement. D'un côté, j'ai un petit robot qui est une petite dédicace à mon fils. Et là, c'est une petite crevette dédicacée à ma fille. Petite crevette rose, je l'appelais comme ça quand elle était petite. Le salon est ouvert au public jusqu'à dimanche soir avec un show Shibari et deux showcases de rappeurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information. Je vous retrouve demain à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Thank you.